On y va. Alors, donc là, l'objectif, déjà, pacifier la région. Voilà. Donc, on va partir par ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, là, il y a quelque chose à récupérer. Hop, on va envoyer les sous. Des sous pour la Légion. Des sous. Ah, il y aura des esclaves. Voilà, parfait. Ensuite, on va partir par là. Voilà. Hop, on va aller chercher des esclaves. Là, ici, il y en a par ici aussi. Il y a de la nourriture. J'ai plus beaucoup de nourriture. Hein. J'ai plus beaucoup de nourriture. Allez, on y va. J'ai peut-être échangé. Peut-être échangé quelques esclaves contre de la nourriture. Good night. Bonjour. Oh, hey, Legate. Ah oui, alors qu'est-ce que tu vas me proposer? Hein, j'ai. Alors, 1 pour 10, tu te fous pas un peu de moi là. Voilà, et on va même échanger contre un petit peu de sous. Voilà. Ah, on est bien là. On commence déjà à être un peu mieux. Toujours un peu léger niveau nourriture. Hein. Ou La quoi? nourriture, c'est. Alors, quelle bête cette fameuse mission? I think the locals are gearing up and getting ready to attack Petite caravane se dirige vers une réserve. Our scouts have seen small caravans headed to a stockpile. Weapons, most likely. Let us burn it all to the ground before they can stage more attacks. Qui continue à leur faire Short answer, des armes? We don't know. I personally think these weapons were an old stockpile, previously hidden from us. Pas sûr, Sextus quand même, hein. thinks they're Roman made. In which case, I suppose those Weeksy traitors would be the likely source. Ouais. Given it's a weapons cache, I expect our opposition to be well armed. As to the size of their force, though, their stockpile should be our priority. I don't think they will resist too much once their precious weapons are already lost. Ok. Our way, Legate. Très bien. Ok. Donc là, il va falloir que j'équipe. Our way, Legate. Ou quoi? Il va falloir. Je peux pas. Non, ça, je peux pas transférer. Non. On va booster un petit peu les armures. Bim. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Poignard égyptien. Ouais, c'est pas mal. On va à la sélection de compétences. Ah ouais. Ah ouais. Mais il faut lancer poignard. Ok. En vrai. Oui, mais ça c'est bien mieux en fait. C'est bien mieux. Voilà, elle est plus puissante, c'est bien. Alors lui, non, parce que de toute façon, je vais partir avec Poulot. Toi, il me faudrait un arc de meilleure qualité, si possible. Alors attends, déjà, hop. Là, on est bien. On va prendre une meilleure armure. Hein, voilà. Attends, j'ai pas mieux comme. Ah si, j'ai surtout lui en fait. J'ai Elvius. Elvius qui est déjà sacrément bien équipé. On va prendre. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Donc tac tac tac. On va prendre un Triarius niveau 11. Ça sera très très bien. J'ai moins 1 de santé. Il a combien? Il a 25 PV. Il passe à combien? 24. Bon, ça va encore. Bonjour. Tu as des jolis bras, dis donc. Et mouette, bon. Voilà. Un Vélez. Alors, mon Vélez.
Mais là, c'est niveau 10. On va prendre un meilleur casque, hein, bien sûr. Oh. Copèche. Bien, ça. Ça me paraît pas mal. Il y a toujours l'attaque dans le dos. Alors, qu'est-ce que je peux sélectionner comme attaque qui pourrait être sympa? Attaque avec élan. Oui. Coup de pommeau. Oh! Alors, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais étourdi. Bon, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais juste vérifier un truc parce que mon Kaiso, son copèche, il est pas top en fait. Parce que, honnêtement, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Une armure de veilleur de la reine. Chaque combat, la première attaque qui vous réduire à 0 point de santé. Vous laissera avec un. C'est pété! Elle est pétée cette armure. Il me faut une arme qui soit de meilleure qualité. Poignard, non. Lance, non. Poignard, poignard. L'épée d'Archéo, c'est quoi? On va prendre le Xiphos. Je sais qu'il fait moins de dégâts que le Copèche. Mais j'ai plus d'attaque. Parce que là, j'ai que 3 attaques en fait. Donc elle est pas top. Le Copèche est pas terrible. Le Copèche est pas terrible. Bon, alors on va faire ça comme ça. Ok. C'est parti. Donc on va aller s'occuper de la mission. Mais j'aimerais savoir. Ah, il me faut des outils. Il me faudrait des outils. Allez, on y va. Tac. Il faudrait des outils pour me faire d'autres pilas. Voilà, donc on va pacifier la zone. La mission, elle est là. Mission de pacification, c'est parti. Allez. Hop, donc on va partir avec Déjanir, qui est toujours très très bien. Et ensuite, on va partir donc avec Poulo. Voilà, parce qu'il est bien. On part avec un Vélez niveau 10, c'est très bien. Un Sagittarius, alors Fabius évidemment. Sagittarius niveau 10. Et un deuxième Sagittarius, voilà, c'est lui. Voilà, allez c'est parti. Let's go. Mission de pacification. Let's go, let's go, let's go. Alors, hop, 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 il y a du monde là. Oh, il y a du monde. Et puis, il y a du feu. Ok. Donc, il y a un foyer ici. Là, il y a foyer avec torche. Bien. Très bien. Et du coup, il faut que je détruise 7 stocks d'armes. Là, il y en a 1, 2, 3. Là, il y en a 3. Là, il y en a 1, 2, 3. Ok. Donc là, là. Et là-bas. Ok. Ok, ok. Alors, on y va avec des Janir. Puis Poulo. Puis, on va prendre le Triarus ici. Hop. Et le Vélez en dernière ligne. Voilà. Ok, parfait. Donc, on y va. C'est un Pégu, c'est un Pégu, c'est parfait. Donc je paf. Petit saignement, parce que ça fait plaisir. Toi, tu vas avancer ici. Tu vas prendre une torche. Puis tu viens ici. Et tu fais, je plais. Oh non, c'est pourri. Oui, c'est pourri. Percussion de bouclier. Voilà.
Ensuite, toi, tu viens ici. Tu fais un bon coup de bâton. Je prends une torche. Puis, on va attendre. Toi, tu vas venir ici. Il reste combien de torches? Il reste 3. Parfait. J'ai vu qu'il y avait un archer là-bas. Un PV. Mais attends, s'il n'y a que un PV, tu vas faire squeak. Voilà. Ben on va peut-être faire une petite interruption. Il n'y a pas d'interruption. Est-ce qu'il y a quelqu'un à porter? Il y a quelqu'un à porter. Oui. Allez, c'est parti. Oui. Voilà. Ensuite, deuxième archer, c'est parti. On va partir là. Continuer à le choper. Chouic. Voilà. Je ne vois pas la cible. Oh non. Voilà. On va prendre une petite flèche barbelée ou un petit tir ciblé? Attends, j'ai pas. Allez, un petit saignement. Un petit saignement. Pour me faire plaisir. Voilà. Puis, bah toi tu vas venir ici. Voilà. Et on va. Petit coup de dague. Voilà, comme ça, si tu essaies de t'échapper, squeak, appuie. Triari, t'as récupéré la torche, c'est très bien. En vrai, je peux même déjà. Alors attends, si je balance la torche. Ouais, si je la balance ici. Voilà. Salut. Et maintenant, je me casse. Voilà. Là, on est bien. Allez. Voilà. Tu saignes, t'es mort. Fight for the freedom of your families. Voilà. On y va. Très bien. Alors toi, déjà toi, tu vas soigner monsieur. Come to my aid, you useless mule. Arise and fight on, fellow warrior. Voilà. Du coup toi. Voyons voir. On a deux Pégu. Donc déjà Nir. Déjà, on va aller récupérer une torche. Puis va aller balancer. Vous allez voir, ça va être très drôle. Parce que du coup, tous ceux qui vont monter vont être empoisonnés. Mouahaha. Voilà, ensuite toi, toi tu vas venir ici, toi tu vas venir là, puis, hop, voilà, toi tu vas venir ici, voilà, ensuite, on va faire ça. Non. On va faire ça. Coucou. Je te fais un petit coup de projet à terre. Je bim.
Puis, j'en profite. Non, je peux pas. Oh. Voilà. Hello Stargate, comment vas-tu? Mais oui! Exactement. Je suis là de bon matin. Voilà, un tir à capacitant, parce que lui, il va y passer de toute façon. Une petite flèche dans le 1. Une flèche dans le... Voilà. Ensuite, on va partir ici. Ouais, est-ce que j'ai quelque chose à porter? Non, toujours pas à porter. Bon. C'est pas grave. Du coup, tout le monde n'a pas encore bougé. Il y a lui qui n'a pas bougé encore. Il va partir par là. Et alors, mon petit, c'est pas que je t'aime pas. Mais. Allez, petite rupture. Voilà. Hein. C'est pas que je t'aime pas, mec. C'est pas que je t'aime pas. Mais. Et bah, je me casse. Voilà. Voilà. En vrai, ce serait même mieux si je pouvais aller récupérer encore une torche. Donc. Oh non, mon bouclier. Ah ouh. Voilà, donc là ils sont dans une zone de poison. Donc au bout d'un moment, j'aimerais pouvoir dire qu'ils vont être empoisonnés. Alors. Toi, déjà, tu vas aller le liquider. Voilà, ça c'est fait. Puis, un truc qui pourrait être très drôle. Voilà, le Pégu est en train de brûler. Maintenant, toi, tu vas juste mettre le feu par ici. Voilà, et ça va en faire 6. Puis, le cuicui au lit. En vrai, on va faire ça. Voilà, il est harcelé. Bien. Ensuite, il n'a plus que 7 PV. Il n'a plus que 7 PV. Donc, si toi, je fais un changement. Attaque percutante ou un... Attaque tous les personnages adjacents. Non. Tout puissant. Oui. Voilà, parfait. Toi, tu vas partir là-dessus. Voilà. Ensuite, toi, tu vas faire un petit saignement, peut-être. Non, tu peux pas. Petit saignement sur l'autre. Voilà. Toi, en revanche, toi... Mon petit Vélez... Tu vas passer par derrière. Passer par derrière. Voilà. Parce que tu fais attaquer sur le flanc. Mais on va mettre un petit coup sauvage. Allez, un petit coup bas. Et là, attention, ça va piquer. Voilà. Ah, ça pique. Hein. Je te l'avais dit, ça pique. Ça pique, mec. Du coup, bah, tout le monde a joué. Non, il y a Déjanir encore qui n'a pas joué. Il y a Déjanir. Déjanir. En vrai, je peux faire projeter la terre. Je vais faire projeter la terre. Charge de taureau. Non. Bim. Voilà. Après, si elle attaque, en vrai, ça c'est un berserk. De toute façon, il a un PV. Donc au prochain tour, il va mourir. Il se relèvera au tour suivant. Donc c'est au tour suivant que je vais l'achever. On est bien là. On est bien.
Donc, stick to the plan. We will defeat them. Tout va bien. Tout va super bien. Ça se passe comme prévu, ou presque. On va aller se mettre là avec l'archer. Est-ce que je vois quelqu'un? Déjà, est-ce que je vois quelqu'un? Oui, toi. Mais ça fait pas grand-chose. Ouais, là c'est mieux là déjà. Je bloque. Voilà. On va aller chercher une petite torche en plus. Hein, voilà. Là on est bien. On est bien, on est bien. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner un petit coup. On va faire ça. Voilà, je rétablis l'action, parfait. Voilà, et comme il est à terre, mais comme c'est un berserk, il faut que je l'élimine, sinon il va se relever au prochain tour. Voilà, donc là on est bien. On est bien, Tintin. Toi. Alors, bah, toi, c'est très simple, ça va être ça. Je l'élimine. Voilà. On va chercher la petite torche. Voilà. Et on va... est-ce que je peux essayer de balancer la petite torche là-bas? Oui. Youhou. The enemy is here. Look alive. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y en avait par ici. Oh, je l'avais pas vu. Coucou. Elle est facile cette mission ou c'est moi qui... On va aller aider l'autre. Voilà, on est bien, hein. On est très très bien. On va même aller récupérer d'autres torches. On va récupérer plein de torches. Parce que c'est bien les torches. Be ready for them. The moment they reveal themselves, they are dead. Voilà, très bien. Voilà. Ça, ça ne pose absolument aucun problème. Tout est en train de brûler. Voilà, prochain tour. Prochain tour, j'en ai 6. Enfin, j'en ai 3. J'en ai 3 qui vont brûler. Plutôt suivant 3 autres. Et j'ai encore ceux-là qui vont encore brûler. Parfait. Alors, ici, ce qu'on va faire. On récupère la petite torche. Bonjour. Puis, on va à nouveau balancer une autre. Allez, on va encore en balancer un petit peu. Allez, bisous. Une petite torche supplémentaire. Voilà. Puis, on va se estropier. Tir incapacitant. Ah, tu es à couvert, ne bouge pas. Hein, on va diviser. Voilà. Voilà. Et toi, tu te casses. Salut. Voilà. Puis toi, tu vas prendre une torche. Tu vas lui en envoyer une aussi. Because c'est fun. Je recule. Voilà. Ensuite ici. Alors. J'espère que tu aimes brûler. Ensuite toi. Je vais te mettre un intercepteur. Ah non, il t'a déjà tiré. Non. Non. On va te mettre là-bas. Oui. Ah, là, t'as eu mal. Oui, oui, je te le garantis, tu as eu mal. Alors, on va te mettre par ici. Si je peux te faire saigner, ce sera encore mieux.
Why you make me do this to you? Bim. Toi, je vais te faire un petit projeté à terre. Voilà, tu es à terre. Et donc du coup, je suis désolé, je t'aime, hein, voilà, t'es là, mais voilà. C'est pas que je t'aime pas, mec, mais les berserks, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà. Non, on est bien là. On est bien, on est bien. Je vais aller chercher une petite torche. Voilà. On est bien, on est bien. On est très très bien là. Toi, t'es là. Ouais, on est bien. Voilà. Il panique. C'est très bien. Oh non, du poison. Aïe aïe aïe. Voilà, il n'y en a plus que 6 à détruire. On est bien. Donc, alors juste en passant. Salut, au revoir. Voilà, ça c'est fait. De mémoire, oui, donc si je tire sur le baril de poids, ça explose. Et normalement il est dans le rayon. Hein. Ah, je vois pas la cible. Attends, si je me mets là, du coup, ça marche. Ça marche pas. Et. Bon attends. Oui, non, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout les berserks. Hein, je crois que ça se voit. Voilà. Toi, tu vas venir par derrière. Déjà, toi, tu vas devant. Voilà. Et du coup, on va mettre. Hop. Coucou. Voilà. Mouahaha. Attention aux barils de poids. Attention aux barils de poids. Hein, le baril de poids, ça explose. Ah, il n'y a rien à récupérer. Ok. On est bien là. On est très bien. Non. Toi, je vais te mettre en interruption. Tu pars par là. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc. Oh non, 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 pas la torche. J'ai dit pas la torche, monsieur. Voilà, et du coup, je vais l'achever. Allez, tu sais quoi, j'aime. Ah. Non, attends, bouge pas. Je vais y aller. Je vais y aller. Non. Avec ça. Faut que je change les armes de poulot, c'est pas terrible. Pas terrible pour Polo. Ah, il n'y a plus de torche. Ok, il n'y a plus de torche. Très bien. Il n'y a plus de torche. Il n'y a plus que 4 à détruire. Non, complètement couvert. Voilà, on est bien. Allez. Now, if you see the enemy, duck and I will shoot.
Plus que 3. Ça brûle. 2, 1. Et ici, 0. Ok, prochain tour, c'est bon. Donc, comme au prochain tour, c'est bon, on se casse. Salut! Toi, c'est bon, t'as ton bouclier qui te protège, donc tout va bien. On va se mettre à l'abri. Voilà. Et voilà, c'est fait. Voilà. Région pacifiée, parfait. Alors, on pille. Ouh, des herbes médicinales. Ouh, je vais me faire du thé. D'accord, donc là, il n'y avait rien à récupérer en fait. Ok, oh, bonjour toi. Alors, qui va descendre ? Allez, on descend. On va chercher. Un équipement de Centurio. Ok. On y va. On va par ici. On est bien d'accord que après il n'y a plus rien par là. Ok. Plaque d'armure lourde. Oui. Des herbes médicinales. C'est très bien. C'est toujours. C'est bien les herbes médicinales. C'est bien. C'est bon pour le thé. Voilà, les chotels, c'est pas top, c'est pas top. Je vous le dis tout de suite, c'est pas top. Hop, non, on va ici. Allez. En train de monter comme du clampin. Non, 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 non. Allez, c'est là-bas qu'il faut aller, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Plein d'équipements de Centurio. Ok. De la monnaie. Oh, du vin. Chic, c'est bon le vin. Les lances berbères. Bon, une qui est immaculée, ça c'est bien ça. Ce sera très bien pour bandeau berbère. Ok, bon. Mission easy. Mission easy. On y va, on repart. C'est parti. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Voilà, on va repartir. La région est pacifiée. On va s'occuper quoi de Memphis, allez. Hein, est-ce qu'il faut que j'aille chercher un tapis de mémoire. Le tapis, le tapis. Voilà.